Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Galaxy Pen of Paper. J'ai bien farmé mon level 10, ah, des coordonnées inconnues, ok. Maintenant, voyageons. Parce que j'ai fait le tour de cette planète, j'ai gagné, vous voyez, moult réputation. Accostons à la Pace Station. Oh, on peut se battre ici. Une cybercopie. C'est tout ce qu'on peut affronter. Ils ont pas l'air très beaucoup forts. Je vais en taper un par principe. Ah, c'est les fameuses copies. Ah, j'irais bien du coup revoir l'alien. J'ai croisé un mec comme ça qui voyageait. Alors attention, hein. Mini-événement en fait qui avait pas l'air d'être un événement. Il avait vraiment l'air de se passer un truc. Ah oui, d'accord, ils sont vraiment pas costauds. D'accord, c'était bien. Wouh, j'ai pogné 9 balles. Et de l'eau distillée, mais très bien. Wouah, un imprimeur de pizza 3D. Ça a l'air trop bien ça. Je l'achète. Ça c'est trop bien. Je l'achète. Masse. Anti-impact helmet. Piercing. Give the warning. User one chance to avoid all damage taken by this piercing. Raise your dodge chance by 1%. D'accord. Oui, bon, ouais. Raise your initiative de 1. Ça, c'est bien. Je veux bien. Ouais, ça, je le vends. Parce que je sais que je peux en acheter. Par contre, ça, je le vends pas. Même si j'avoue, je m'en sers pas. Et j'ai pu acheter même du Tantus Hot Café. Dans les trucs chelous. Tug. Hein? Ah, il m'a pas compté ce que j'ai mis. Ok, équipe. Yes, alors j'ai trouvé voilà un t-shirt également. Qui augmente mes HP de 15. Touk. Voilà. En même temps, mes SP de 2, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Là, c'est toujours nécessaire, parce que ça coûte 5 d'utiliser un spécial, donc très bien. Et soit. Continuons comme cela. Très bien. Bah, il était fort sympathique, vous savez quoi, on va s'en remettre un autre. Voilà, parce que ça, c'est gratuit. Voilà, c'était super. On a gagné 8 balles, c'est trop bien. Bon, il y avait rien à faire ici. Très bien. Alors, on sait qu'il faut qu'on aille là. Hein. On pourrait aller voir le Neo Tokyo. Nouveau Tokyo, quoi. Non, allons combattre Gidormus. Quoi? Ah, il y a un combat spatial. 4. Ah, je joue en premier. On peut réparer ou faire des attaques basiques. C'est la fin de mon tour. Non mais j'ai un chip super déter en même temps, faut dire. D'accord, ok, ça donne nos nombres de points. Le prochain tir me coûte 2. Mais vas-y, détruis-le. Hein. What? Fin de mon tour. Ça c'est moche. Voilà. On répare pas. On attaque tout le temps. On a gagné un battery pack. Add a few charge to your current energy based on your currently installed dice. D'accord. D'accord, donc j'ai un bonus d'énergie supplémentaire sur mes prochaines attaques. Donc, le vaisseau de Gidormus explose dans une poule de feu de la mort et de la destruction. Vous interceptez le vaisseau de Gidormus. Il y aura des expériences needed to take. On intercepte mission. Yeah, ouais, minute, what about Aliena? Shidai, non, Ripple Fireball. Oh, ah, non, she didn't.
Ok, visiblement, fallait pas tuer quelqu'un. Un escape pod logging before explosion landing. Alors, on a découvert la station. Moi, j'aimerais découvrir un astéroïde. Ok, donc on y va. Donc voilà, on a choisi où est-ce qu'elle allait atterrir. Elle est sur ce petit astéroïde. On y va. Ok, c'est parti. Ah non, il est là. Ok. Piu piu. Piu piu. What? Piu 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 piu. Shit. Celui-là suffira pas pour me vaincre. Tu es fini. What does that ship do? Oups, succès déverrouillé. Et une nouvelle batterie. Nice. Il faut se poser sur l'astéroïde. Il se passe des trucs ici. On a trouvé Ginormous en train de carrer son stuff, son brigade pod. Where is Aliena? Shareware dose again. Unacceptable. Live air to away from society. Oh, you really mess up my operation? So I mess you up. Oh, on s'en fout, c'est Joe Clodo là. Encore des discussions à la con, pétons-leur la gueule. Ok, je peux pas le cibler. Ah ouais. Ah là, je peux le cibler. Ok. Joe Clodo. Un ermite de l'espace. Il m'a encore viré mes trucs, c'est ça? J'augmente mon dégât de 20% et ma chance critique de 10. Ah, c'est un passif. Un passif agressif, nice. Ouais, débarrasse-moi du Joe Clodo. Allez, Joe Clodo, ça dégage. Du coup, j'ai pas de passif équipé, je suis dégoûté. 255 PV, moi bon, j'ai fait plus hardcore. Oh, ce petit bout de rock déchaîné. Bon, je baisse un peu le son aussi et tout, j'ai vu que ça prenait quand même beaucoup le pas sur, sur mon micro, malheureux. Déjà qu'on m'entend presque pas. Ouh, le critique. Ah ouais. Ah ouais. T'es sexy ce critique. Finish him. Victoire, 250 pex. Ah, j'ai son gant droit. Yep, it's singular. Just one single ginormous glove. Rasure damage by 4. Your critical chance by 2. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est inacceptable, tout ça, tout ça. Le fromage de chèvre. Ah bah tiens, c'est bonhomme vert. Enfin, bonhomme vert, man. J'étais noté 7 sur 10. Ok, tu veux qu'on te ramène à la maison. I need rest to restore my powers. Il a vide Neo Tokyo. Allez. I know that we have the stranger. Ok, on y va. Donc retour in the battle. Le space battle. Dafty. Du coup, faut que je le rééquipe parce qu'il a été déséquipé. C'était pas ça que j'avais pris. Si j'avais pris le poison. C'est un passif, non? Ah non. Ah. Parce que le target qui est stunt est gentil, mais. J'ai pas envie de. Ouais, c'est sympa ça par exemple. Ça c'est sympa. En même temps, voilà. Ah, je sais pas. Ça aussi, ça ignore les shields. Hein.
Mais 27-33, en fait, ça fait beaucoup de dommages. 38-47, mais en fait, c'est tellement mieux le poison. Viens-moi ça. Et viens-moi ce truc. J'incrise mes dommages. Yes. Non, mais ok, ouais, j'ai compris. Ok. Ok, that's good. That's good enough. Ah, on peut affronter des trucs ici? Non, on peut rien affronter, ok. On peut rien se friter. Bah go! Go sur Neo Tikyo! Et on se pose. Grosse planète. Maintenant, moi j'aime beaucoup ce jeu et j'aimerais, j'avoue, beaucoup voir, j'aimerais vraiment voir tout du moins. Un jeu le même mais avec peut-être des graphismes plus travaillés, de plus belles animations, parce que c'est vrai qu'il est très très rétro dans le style, faut aimer. Peut-être avec un style plus léché. Et avec genre 4 persos, plus de monstres, tu vois. Un jeu plus abouti quoi. Go, discutons. Ok, donc on se stationne dans le coin, ok. Ouais, superbe cité, home sweet home, ouais c'est ça, il suppose ouais, dimensionnel, intensifying, cybernétique et dancer. Hein? Aussi appelé un dé. Four shot. Head of Dice, legendary device that simplifies system output. The précurseur. D'accord, c'est un item des précurseurs. Destroyed Hidden Tech. Precious as Dice. Yes, donc on a gagné un D6 Dice, évidemment. Cool. Et donc on va. La première vue, ça s'ajoute au spe. Oh! Petit pétage de level. C'est beau. D'accord, la quête principale paye bien. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah, mais je fous ça. Oui, nous n'avons rien à faire ici, allons-nous-en. Incroyable. Non, bah attends, on veut checker les environs, là. On veut voyager, on veut voir des choses, un peu. Qu'est-ce qu'on peut affronter? Du Monsieur Dos, du Mister Dos, du Street Samurai. Oh là là, non, mais Street Samurai... Samurai des rues, le gros cliché. Alors ouais, parce que là... Vous parlez aussi des références rollistiques, alors là évidemment on est sur de la référence rollistique de type c'est vénère ça? Non, ça a l'air gentil. Et ça? Ouais. Ouais. Bon, on va vous affronter un par un déjà, voir ce que vous donnez. Ah, c'est une référence évidente à Shadowrun. Shadowrun. Alors déjà tu te déplaces, ça c'est fort intéressant. Ok, critique. D'accord. Le mot du genou comme attaque, ça, monsieur. Ok. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Donc, c'est déjà très rapide en action. Ok, 20 dommages. Arrêtez de balancer tous vos crits sur des randoms. C'est cool. Bon bah c'est pas bien vénère hein. Continuons notre voyage. Green is here. Adressez sur confident lié. Ok, un mec verdâtre, ok. Il faut être sur Lucky Day. The Five Legendary Secret Weapon Smith. D'accord, The Green Technology Updates. Oh, je peux lui acheter des... Ah mais ça booste... D'accord, c'est pour mes deux gars en fait. Je peux augmenter les armes et leur armure systématiquement. Oui. Bah du coup, Coco, il est pauvre. Ah, je peux rien te vendre par contre. Ah. Bon bah salut ma gueule. Je reviendrai dès que j'aurai quelques thunes. TKT, je vais te farmer ça en secret, ça va aller bien. Ok. Donc là on peut juste se battre évidemment contre toujours le même type d'ennemi.
Bah écoute, moi je propose date des gens quoi. Et bah voilà. Plein de slowman. Ah ils sont tous très rapides hein. Donc là c'est un vrai combat, hein. Ça rigole plus parce que voilà, moult dommagerie. Fort dommageable. D'ailleurs ton attaque de base elle est passée à combien? On va le voir hein. Mon dieu, j'ai perdu un point de vie. Ah merde. Non, 3, excusez-moi. Mon attaque de base, on est passé de 30 à 32-42. Au lieu de 30-40. 63-76. C'est dégueulasse, monsieur. Ça se fait pas. Oh, j'étais bête parce qu'il va il va mourir. Ah oh, je joue mal hein. Je joue mal. C'est terrible. Ok, j'ai pris tarif. Ok, il y a des pop. Interesting. Les Windows 10 qui ne fonctionnent pas. Ah. D'ailleurs, comme c'est curieux, il suffit juste de dire Windows 10 tout court. Comme c'est stupide. Ah, je me soigne quand j'applique le poison. J'avais pas regardé ça, moi, en fait. Du coup, c'est super génial. C'est vraiment le meilleur build. Comment je commence à prendre la max, par contre hein. Ma dodge. Ouais, c'est plus beaucoup de PV là, 43. Ah, j'ai un peu de heal ou pas? Parce que moi je suis le genre de mec à oublier d'utiliser du heal. Bah, je vais utiliser ça, ça c'est gratos. Vas-y, ma gueule, fais-toi plaisir. Tabasse-moi ce truc là. Je sais pas si ça fait des bonbons critiques, les virus comme ça et tout. Je sais pas ce que ça fait en fait le poison. Pourquoi il a résisté au poison? Sac. T'as ce sac. 13% de temps de dodge. Ouais, pas de. Pas trop de détails dans cette histoire. Du coup, il reste combien de PV? 25, je crois que tu peux le OS. Bon vas-y, hein, poutre-le et on en parle plus. Oh, la critique à 68. Ah, oh, c'était moche, hein. Coverhead. Yes. Ouais, c'est celui-là, hein. D'accord, vu qu'il est en couverture, qu'est-ce qui change d'ailleurs? Rien, enfin, je sais pas, je vois pas ses stats changer en fait. Normalement, on devrait donc pouvoir le toucher. Stat dissimulé. Hein. C'est de la stat dissimulée, monsieur. C'est interdit par la loi, ça. Je sais pas, coller une poutre là-dedans, j'en ai plein de coups. Voilà.
Ah, c'est cool, on lui a laissé 2 HP, ça fait vraiment plaisir. Un petit ramage qui s'est rapporté au plumage, je l'ai vu. Je l'ai vu. Non, vous leur laissez vraiment 2 HP, hein, c'est vraiment moche. Ok. Bon, ils ont testé, ils sont pas très compliqués, ils sont pas bien méchants. Il y en a même qui sont plutôt gentils. Ouh, le crit. Oh, le crit qui tâche, hein. Ça en met du temps en fait à passer. Oh. Non. Il a dogé. Voilà. Et du coup, t'as ton level 11. Et puis c'est très joli, hein. Non. Ah, même pas. Ah non, c'est vraiment considéré comme de l'ultra bouse. On va faire. Ah, un petit événement. Une énorme obélisque marquée de signes de sigles inintelligibles se tient sur votre chemin. Qu'allez-vous faire? Moi je veux regarder le monument. Voilà. Bah, y a plus rien à faire que retourner se battre. Hein. On était à la power centrale, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez un étrange bruit venir de derrière vous. Dans l'obscurité, Thing Moving, vous semblez penser avoir vu bouger quelque chose. Quelqu'un semble avoir besoin d'aide. Allez! J'ai. La centrale. Rien de particulier à la centrale, hein. Ouais, rien de particulier, mettons-nous de samouraï. Rien de particulier, mais il nous faut un peu d'XP de tous les cas, donc... Battons-nous! Battons-les, pour être plus exact. En plus, il nous faut grave des thunes. Ouais, non, mais attends, je vais te... Ouais, c'est ta tête de mort, là. Juste avec ça, hein, ça suffira. Oh, j'ai fait rebondir le poison. Oui, parce que j'ai un objet. J'ai un objet dans ma liste. Somme toute très, très cocasse. Faut que je vous montre ça. Yeah, super, on a gagné 2 XP. Ça suffit pour lui faire passer son niveau. Alors, dans mes objets, j'ai ceci. Voilà. Un artefact des anciens. Grading du rechargé d'attaque skill. Ça améliore mon attaque chargée. Donc la compétence de base de Thug, hein, on rappelle, hein, c'est un Thug. Ouais, allons voir. On va voir ce qu'on nous raconte. Ah. Ok, c'est toujours le même mec qui vient nous parler de... Est-ce qu'on aime l'e-sport? L'e-sport, c'est trop bien. Ah, alors attendez. J'ai un petit coffre à récupérer ici, on va aller le récupérer. Ok. Le truc c'est que je sais pas ce que je gagne, j'ai pas regardé. Je vais regarder vite fait. Rien de notable visiblement, donc... ou alors c'est dans un gadget. Ah oui, c'est un gadget qu'on a gagné. Bonus de 11% de chance critique... Non, de dommage crit. Ah, de dommage crit. Qui a la plus grande chance? 17%. 17%. Et toi, 26% de chance de crit. 26% de chance de crit, monsieur. Ça commence à devenir intéressant. On commence à discuter. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il se dit?
Spire's Rift Gates are so cold because they propel a ship to the right ship space. Ghost in a one relic now. Black. Elle a paumé visiblement son petit bateau dans l'espace. Il faut lui retrouver, je suppose. Ah, logo de boss. Ah, c'est un boss. Oh, c'est un vrai boss. Attention, ça devient compliqué. Ou alors on se met juste de boss. Franchement, on se met juste de boss. Hein. Allez. C'était trop tentant. Belle esquive. Ah, j'ai envie de te dire, en jager ma gueule. Ah oui, je vais pas pouvoir l'atteindre avec Jean-Jacques. Faut impérativement que je tabasse le mec qui est devant, c'est ça. Mais je peux pas l'atteindre. Il est en couverture. Bah vas-y, couvre, hein, mon vieux. What? Oh, t'as beaucoup de boucliers, hein. Ah, vous avez 65 de bouclards, les mecs. Hein. C'est beau, hein. Ouais, alors tant que tu perds pas de vie, idéalement, voilà. On va essayer de charger. C'est beau, hein. C'est très sexy, hein. Non, c'est très sexy. T'es monté à combien de pourcents de chance de 26%, 50% de dégâts supplémentaires. Un homme tout en critique. Enfin, un droïde. Enfin, un Daft Punk. Un Daft Punk tout en critique. Et ça, c'est beau. J'ai toujours pas perdu de points de vie, donc j'ai pas de raison de faire autre chose que de te taser. On est quand même monté à une chance sur 4 hein, de crit. C'est quand même très très beau. D'ailleurs, à une larme de plus que une chance sur 4. Ah, ça lui a rebondi dessus. Et l'attaque que j'ai faite lui a rebondi dessus. Oh, 45 de crit, c'est sale. Hein. Non, c'est sale, hein. faut le dire quand c'est sale. Hein. Oh, ski! Franchement, ils arrivent même pas à saturer mes boucliers, quoi. Ah, je peux plus. Soule le monde. Oh, tu dois avoir une grosse régène de chine, non? Et il récupère 18 par tour de bouclier, ce qui est beaucoup. Vas-y. Oh, c'est moche. Hein. C'est moche qui t'arrive. Hein. Franchement, pas besoin de claquer du spécial plus que ça. Je pourrais finir l'autre hein, derrière avec une attaque empoisonnée. Hein. J'ai envie juste de voir le niveau de faiblesse absolue de ces mobs en fait. Ah, j'ai raté quand même. Bon, j'ai plaisir. Il m'a même pas tombé mon bouclier quoi, c'est fou. C'est complètement dingue. Je fais aucun effort pour lui rouler dessus. Ça dodge. Ah ça y est, j'ai plus de bouclier là par contre. Mais j'ai pas perdu un seul PV quoi, la blague. Je sais pas, Martoni fait un effort. Si tu fais pas d'effort, on va te tuer. Hein. Ah non, t'as rien dans les tripes. Hein. Ah sur la planète d'eau, ils étaient plus vénères que ça. Hein. Ah j'ai gagné un anti-impact helmet. Très bien, très joli. Très joli, mais je crois pas que... Ah, une bonne régénération. J'ai envie de garder sa régénération de bouclier, hein, je la trouve cool. Comment ça j'ai deux impacts de helmet? Comment ça, je te l'ai pas mis? Si, je te l'ai mis. Voilà. Je crois que t'auras un point de vie ou deux, quoi. Officiel, hein. Mais HP par 2, mais SP c'est pas forcément nécessaire, mais HP par 12. Voir sur 3 casques. Ah ça sent la subtilité, hein, j'annonce.
Ah, on aime la subtilité là. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit move à faire Est-ce que quelque part je vire pas ta régène pour voilà un peu plus d'HP finalement et un peu plus de points supplémentaires qui nous permettra de faire donc une utilisation supplémentaire de nos pouvoirs. Ce qui est pas vilain du tout. On va faire juste un petit retour maison vite fait pour faire un repos parce que j'ai claqué quelques conneries. Hop. Bah, on va finir d'explorer quand même cette map avant de s'en aller. Voire même peut-être se prendre un petit peu de réputation. Hein. Ce qui est tout à fait possible. On peut tout à fait se faire quelques petits contrats, voyez-vous. Je vais vous montrer ça après. Hop. Parce que le petit contrat pour payer, pour ramener de la thune, c'est quand même sympa. Hein. Allons parler au local. Quoi? Tu veux encore que je te donne des sous là pour ta devise de mort là? La préfecture du Canada. Qu'est-ce qu'ils vendent à la préfecture? Ah, ça c'est pas mal ça. Pouet. 2% de dodge chance, ouais. Une régénération de points de vie. C'est pas vilain. Après c'est que 5, hein. C'est vraiment... Le bouclier autant c'est intéressant parce que tu sais qu'en gros dès que tu vas prendre le moindre coup tu vas commencer par chemin. Vas-y j'ai les sous pour l'acheter, je l'achète. Et on peut acheter d'autres batteries pour le batal. Notre petit bateau de l'espace. Bon bah j'en ai qu'une à vendre. Ok. Bon j'ai trop de conneries avant ça. Aussi. Ah merde, il en reste une. En tout. On s'achète une pile. Et qu'est-ce qu'on peut taper ici? De la base. Pas intéressant, ok, on continue. Il n'y a rien à voir ici. Okay. Et là, je suppose que c'est le samouraï légendaire. Mon katana dans ta face! Allez fight. Alors combien de PV mon gros? 160, des gros dégâts quand même. Avec 19% de critique, donc de chance de crit. Ouais il a résisté. Katana. Ah j'ai pas de katana. Oh je mets des baffes à la place. Ah, c'est vrai qu'ils font des attaques de zone. C'est le style. Et ils tabassent déjà beaucoup plus fort que les autres cours. Hein. C'est bien. Ah bah il est déjà mort. Merde. Tapé trop fort. Flûte. Bon voilà, bon ils étaient mignons. Hein. Bon ils rapportent pas beaucoup de thunes les mecs. Hein. Donc c'est le moment où... alors attends... Oh intercept. Ah je peux faire des missions spatiales. Ah on a de nouveaux types de missions, bougez pas. Alors déjà retour maison, on va faire un petit retour maison. Ah il y a quelqu'un qui... Attends, il y a quelqu'un qui on peut parler là. Rien. Il y a quelqu'un que j'ai pas regardé mais on peut lui causer visuellement. Un Sand Raider. Ah c'est l'heure de payer. Mais non.
Ok, donc globalement, voilà, il y a un chasseur de primes qui se pointe, il nous demande 500 balles pour nous sauver la vie. J'avais le choix entre lui donner 5 crédits ou dire on refuse. Et l'autre il dit, mais c'est pour une super prestation. Et on lui fait, ouais, mais on peut s'en occuper nous-mêmes. Donc du coup, on le fout par terre. Et il s'en va et il nous donne ça, une aerodynamic suite qui nous donne. Qui increase notre initiative de 4. Donc ce qui est très sympa, mais moi l'initiative, j'avoue, j'en ai rien à carrer puisque bah globalement je joue plutôt des, on va dire, des gars tanky. Donc ça, vous voyez, ça fait partie des petits événements qui sont apparus à gauche, à droite et que je trouve très sympa. En fait, tu vas voir des fois des trucs random qui vont apparaître, genre une petite bulle qui ne reste pas, qui est là temporairement. Ilons-nous. On se fait un petit soin, les poulets. Ah, et ça commence à faire des gros soins même, hein. On va passer la barre des trois chiffres. Donc, voilà. On va se prendre donc une petite mission de chasse de base. On a toujours qu'un seul PNJ qui peut nous donner une mission. Voilà, on va à Neo Tokyo. J'accepte. Ouais, on va voir des Dosman, c'est le plus proche. Ça me va très bien. On reçoit donc un coup de fil pour nous donner notre mission. Allez, c'est parti, on accepte. Donc il faut défoncer un boss, un 3.11 et 5 doses de base. C'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez voir, là je vais vous le faire pour vous montrer, mais... pas d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement pas très très forts que... Ils sont pas très très forts les mecs non plus. Donc tu vois, regardez, on voit qu'il faut que j'en rajoute un, et là il faut que j'en rajoute au moins 5. Ça, ils sont pas très forts. Donc je vais prendre les 5. Mais si j'avais voulu, je pouvais très bien affronter juste le boss. J'aurais reçu une demi-récompense. Et après, je peux affronter les 5 ou 3, puis 2. Et en fait, le principal, c'est que vous ayez affronté le quota d'ennemis qu'on vous a demandé. Voilà. Donc là, on a une petite scène où on lui dit: ah ah, vil canaille, pourriture communiste. Voilà tout ça. Et après, on vient lui défoncer la bouche. Ça va bien se passer. Alors qu'on va, on va passer tout notre tour là déjà. Voilà. Je suis pas rapide, c'est ça le truc. Je suis tellement pas rapide. Poutre. Voilà. Ah, ça, ils ont entamé mes PV. GG. Un joli critique, bravo. Ouais, faut que je sorte un crit pour le tuer, je crois. On va se prendre la tête, voilà, on va le sortir comme ça, et c'est très bien. La musique est trop cool, hein. La musique est vraiment trop cool. Oui, vas-y, on va taper classiquement et basiquement dessus. Pour le coup, ça aurait peut-être mérité que je rééquipe le shield piercing tellement... ils ont combien de points de vie? C'est à 68. Ah non, je les aurais pas one-shot quand même. Il faut lui mettre 23, c'est bon. 23, c'est bon. Oui, c'est largement bon même. Vu comme ça, c'est largement bon.
La petite pizza du jour. Yes. Poutre. Poutre la loutre. Alors combien a tombé? Encore moins, donc on va commencer à taper sur le suivant. Ah ouais non mais il est au fond, c'est chiant. Ouf. Trop vache. Oh, j'avais fait le minimum. Hein. Heureusement qu'il fallait pas faire un dégât de plus. Hein. Enfin deux dégâts de plus. On aurait été peut-être un peu chaud. Beaucoup. On va rendre du 33 nous en base. Non bah non, faut que je lui mette un puissant coup. Un coup chargé. Fin du tour mec. Ouais merci. Yes. Oh, oh la chance. La chance d'un robot. J'ai plus assez, ouais, j'ai plus assez de SP, de spécial point. C'est un pari, mais il est passé tout seul. Bon bah y a plus qu'à te regarder mourir. Là, là on arrive dans la honte de la honte, c'est-à-dire que mes boucliers se régénèrent plus vite que je ne subis de dégâts, donc de toute façon c'est perdu juste en le regardant. Faut le regarder perdre, honteusement. Allez, bonne journée. Bon, par contre, on gagne pas grand chose dans le coin. Good job, voilà, paf. Et là, là, la thune, la répute. Voilà. Donc, par contre, je sais pas à quoi trop ça me sert cette histoire. Bon, attention, tu as une battle. Un XP bonus. Et là dire tout fun stuff. Ah, ça devient plus facile de trouver du matos. Ouais, parce que ça y est, on est des légendes et tout. Oh là là, c'est ouf. Et on a fait un peu de Zeos. Ah, je trouve une magnifique fontaine avec une eau claire et liquide marquée drink. Bah, vas-y, plonge la tête dedans, ma gueule. Parfait. On trouve un coffre au trésor. Yes, mais qu'est-ce que c'est? Simple glacise. Un bonus. Oh, un bonus aux dégâts critiques. C'est sale, hein. Ça c'est sale, 17% là j'ai vu que c'était sale, hein. 17% de bonus de dégâts critiques, j'annonce, c'est moche. C'est très très moche. Le gant reste cool quand même, hein. On va t'enlever un peu de PV, un peu de points de vie. Parce que de toute façon on est dans l'abus absolu, donc à la limite on s'en fout un peu. Voilà, on va... bah non, j'ai même pas besoin de retourner là. Voilà. Je vais retourner quand même. On va se faire le... en mission le dernier boss. Tac. Non, pas la green, voilà. La Neo Tokyo. Le Ronin urbain, tac tac tac, donc on sait qu'on gagnera 510 de répute. C'est parti. Le Street Samurai. Ah ah. Alors, pendant, alors que nous cherchions, as you search your urban Ronin, tant qu'on cherchait le Ronin urbain un peu partout, on trouve un samouraï de la rue en train de nous espionner. À une bonne distance, qu'est-ce que l'on fait?
l'approcher agressivement ou se split, donc se séparer pour le contourner. Allez, vas-y, moi je suis chaud pour qu'on le prenne en brochette. Got confused and left the location. Ah, il nous a perdu. Et les chats. On l'a floué. On l'a floué. Mais bon, du coup, on l'a pas tapé. Yes. Il faut que j'en mette un. Et là, il faut que j'en mette 4. Ouh, showtime. Le jeudi, it's showtime. Alors, c'est parti. It's showtime. Allez-y, tapez contre ces pectoraux blindés. Bon, pas trop fort non plus là. Hein. Parce que là, je vous vois en train de vous régaler, calmez-vous. Hein. Ouais. Et j'ai enlevé quelques points de mise, en plus c'est la fête. Hein. Critique. Critique très sale. Hein. Ça c'est sale. Hein. C'est moche. Ça, tout ça. Hein. Celle de poison, ouais, je lui fais pas grand chose avec le poison. En fait, je fais tellement de critiques que ça vaut même plus le coup de faire des attaques genre empoisonnées sur lequel visiblement le crit ne fonctionne pas. Eh, hey, mollo Kaira. Donc lui il est déjà empoisonné, je vais t'empoisonner toi, je vais empoisonner un peu tout le monde, hein, j'ai foutu du bordel. Hein. C'est parti, tu vas utiliser, ouais, vas-y, utilise ça sur toi. Hop, voilà, on se remet une petite charge et on donne une charge boost. À... Voilà, et tu crèveras du poison normalement si tu ne résistes pas. Il a... Ah non, c'est l'autre qui a résisté. Résiste pas. Poison, il est mort. Voilà, il reste plus que les touristes. Ça devrait aller. Même si ça fait un petit paquet de touristes, hein. Ok, ok. Bon, vous voulez pas prendre du poison là un peu? Je sais pas, Peitara, c'est un peu. Toi, par exemple. Ah, mais d'accord, ok. Il est one shot en fait. J'avais oublié ce détail technique. Oui, ils ont que 55 points de vie. Ah, ouais, non, mais je m'emmerde pour rien avec le poison là-dessus. Ah, le poison, faut que je l'équipe que quand je tabasse. Les sauces sur la planète d'eau là, qui ont vraiment beaucoup de points de vie, qui régènent du bouclier très fort ou ce genre de truc. Là clairement, clairement on s'emmerde, hein. Tape dedans, ça ira plus vite, hein. C'est ça. T'as plus de chances de faire du crit et tout. Ouais, ça dégage. Ah, tu peux chasser sur le côté. Je perds des points de vie. Alors si là par contre je peux t'empoisonner pour par exemple récupérer des points de vie. Ça peut se faire. Ah, 76 ans en crit, ouais, bien. Merci d'avoir joué. C'est sympa d'être passé ma gueule. Voilà. Ah, ça a été dodge. Ouah, il a full dodge. Crève du poison, salaud. Oh, ridicule. Oh. Un peu trop de pétroleum, Cyrus. Voilà, ça ira. Pas ça ira. Voilà, on a gagné 15 balles. Bon, les boss ne payent pas là ici. Hein. C'est clairement la misère et Hypierre, quoi. Et pourtant, vous savez ce que je dis. Hein. Foutez la paix à Hypierre, quoi. C'était pas. Ok, en plus il y a du stuff à venir acheter ici, donc ça devient très très intéressant. Oh, j'entends un étrange bruit venir de derrière nous. Il y a quelque chose qui se passe dans l'avenir. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut aider. Go. 10 de réputation. On est quelqu'un de sympa. On est des gens sympas. Hein. Voilà. Ouh. Voilà pour notre petite virée de boss, on se retrouve en début de prochain épisode pour faire vraiment des choses intéressantes. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Galactic Pen of Paper. Des bisous.